Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Fountain of Youth. Alors, après notre mésaventure sur la vidéo d'avant, c'est-à-dire qu'on était très mal en point, j'ai quand même eu pas mal de temps et ça voulait pas partir, l'insolation, j'arrivais pas. Enfin, j'ai réussi à la faire partir et j'en ai rechopé une, je sais pas pourquoi, bref. Sûrement que je suis resté au soleil. Donc, j'ai utilisé une eau vive. Ça m'a remis ma vie bien. Ça, on repart correct. Donc là, il faudrait, avant de partir, mais cette fois, on va pas retourner sur la même île, on va chercher l'île de cuivre. Il faudrait que je fabrique. Hop. Hop. Ah, attendez. Et une corde. Vu que non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Alors, ceux qui connaissent doivent savoir ce que je veux fabriquer. Alors, fabrication. Voilà, fabriquer ça. Hop. Retour. Voilà. Donc j'en ai qui traînent ici, ça. Ok, alors je me suis fabriqué un autre couteau, parce que l'autre commençait à vraiment être réparé, détruire. On va détruire. Pareil, on va détruire. 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 Hop, voilà. On est bien. Parfait. Je regarde juste un truc. C'est quoi qu'il faut? C'est de la peau fraîche. Ouais. J'ai du mal avec les peaux, à reconnaître les peaux. Ça, c'est de la peau séchée, de la peau de sanglier. Je vois pas le peau de chacal. Ah, j'ai ça. Ok. Alors attendez, parce que pour le coup, il y a ça aussi là. Il faudrait que je mette de la viande à sécher dessus. Il faudrait que j'en trouve de la viande. Alors moi, ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué, hein. Ça fait même j'irai pas mal de jours. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, j'ai un kit de médecine, donc ça je vais le garder. Ça, je vais peut-être emmener de la nourriture. Il m'en reste ici. Il me reste des bananes, de la viande. On va prendre ça. On va tout prendre parce que je sais pas combien de temps on va partir. Donc, hop. Voilà. Parfait. Quelle heure est-il? Milieu de journée. Ok. Je me tâte. Est-ce que je pars maintenant? Ça m'embête un petit peu de partir maintenant. Ouais. Là, j'ai des noix de coco. Je vais essayer de récupérer des noix de coco. Ça me fera toujours de la nourriture en plus. Voilà. Oh, attendez. Attendez, attendez. Il y a le piaf qui va sûrement m'attaquer. Voilà. Non? Boum. Alors ça, il a mis le temps pour venir, hein. Un trophée de harpie, ouais, pourquoi pas, ça. Tiens, il peut. Ah, ça, par contre, ça m'arrange. Bien fait d'attendre, tiens. Hop. Voilà. Ça.
Pourquoi j'ai bien fait d'attendre? Ben, tout simplement parce que j'ai plus d'eau dans ma réserve. Donc, prendre. Il faudrait aussi que j'aille rechercher la troisième que j'ai dans ma base. J'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc là, j'ai récupéré des œufs, des plumes, ça fera de la nourriture. Hop. Comment ça, pas de combustible? Je comprends pas. Hein. 12 heures. Allez, c'est bon, allumé. Premier coup. Eh ben, purée. Alors ça, ah oui, on pourrait faire ça, tiens. Alors que je m'intéresse à ces recettes-là. Pour le moment, j'ai pas. Alors des œufs. Hop, on fabrique. Allez, c'est bon. Voilà. Éteindre. Ok, allez, on en profite. Pour re-remplir ma réserve. Enfin, c'est presque. Voilà. Voilà. C'est les petites choses. Non, pas ça. Surtout pas. Je vais faire une bêtise. Voilà, ça on va manger. Les verres, ça peut se manger. Non, jeter. Ouais, je vais pas les utiliser. Ah, il y a ça, tiens. Lire. Moi, j'aime bien lire sous la pluie. Les éléments séchés ne causent pas d'intoxication alimentaire. D'accord. D'accord. Hop. Parfait. Voilà. Allez, dodo. Et on repart. Mais cette fois, vers l'île du cuivre. Ah, je suis trempé. Bah, tant pis. Tu vas dormir quand même. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Mettre les voiles. Alors. Carte locale. C'est ça? Non, c'est pas ça. Mince, je sais plus. Alors, attendez, déjà, on va partir. Hop. Non, je crois qu'il faut aller sur la map et faire comme ça, voilà. L'île rouge, l'île venteuse. Alors c'est là les choses. Hein. Enfin, venteuse, ouais, je me comprends quoi. On y va. Confirmer. Ok. Ouais. Bon. Donc j'ai découvert les deux, l'île rouge et l'île venteuse. Il reste la troisième, donc je suppose que c'est l'île de cuivre. J'ose imaginer. Après, évidemment, je peux pas en avoir la certitude. Mais c'est sûr. Allez. On y va. Ça va progresser dans l'histoire. Un petit peu. Allez.
Voilà. Alors, donc, niveau 5 en éducation, ça c'est cool. Ça doit être... voilà, ça doit être cette île-là. On y va. On y va tranquille. Donc on a été sur l'île venteuse, il reste l'île rouge. L'île venteuse, ça se trouve, c'était pas l'île en priorité à aller voir. J'ai trouvé quand même assez difficile. Alors il en reste beaucoup, hein. J'ai vraiment pas beaucoup exploré. Elle est vraiment difficile. On tombe malade, enfin, c'est là-bas que j'ai chopé mon insolation. Ouais, c'est dur. L'île rouge, je sais pas trop, on ira voir plus tard. Trouver l'île de cuivre franchi, trouver le campement des survivants, je suppose. Ouais, l'île de cuivre, elle est là. Alors, les camps, le campement, c'est quoi ça? Allez, tiens. On est reparti. J'ai l'impression qu'on peut monter par là-bas. Ou pas. Je sais pas, hein. Si. Ah, si, c'est bon. En tout cas, il y a un lieu de pêche. J'ai pas pris ma canne à pêche. Il y a une tortue. Allez, on y va. C'est quoi ça? Oh, attendez, il y a quelque chose. Ah, mais elle m'attaque? Non? Ah, purée. Saleté. Je croyais que c'était la tortue qui m'attaquait. Bah on va tout prendre, hein. Ok, j'ai débloqué des plans. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Pot traité de Tegu. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Saleté, là. Ils sont agressifs, hein. C'est quoi ça? Caféier. Ok, cool. On prend. On va regarder ce que j'ai. Avec ça, tout prendre. Oh. Grain de café. Cool. Alors. Là, j'ai une pierre. Je vais pouvoir mettre dans mon bateau. Hop. Je vais pas non plus. Alors, ça, je peux mettre là. Là, ça s'abîme pas. Les os. Ça. Les plumes. Ça. Ça. Je vais garder l'eau peut-être, un petit peu de nourriture. Ça c'est quoi ça? Sur la science des armes. Oh, je l'ai pas lu ça, tiens. Bon, on va le mettre là. Hop. Alors, est-ce qu'il serait possible de monter? Que je puisse cartographier? Est-ce qu'il me reste... Ah, j'ai plus de... Mince. Ah si, j'en ai encore 6, pardon. J'ai rien dit.
J'ai l'impression qu'on peut monter justement. C'est pour récupérer des longs bâtons. J'avoue que pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Mais ils sont quand même. C'est quand même bien de les récupérer. Hein. Ah, il y a un arbre là-bas. Tenez. Ok, pareil. Hop. Voilà. Ah, sale bête. Saleté. Ok, alors. On a quelque chose là-bas. On a une structure. Il va falloir que je trouve du bois. Bah, j'en ai là. Pour faire du feu. Voilà. Par contre, j'aimerais passer sans dommage. Je sais pas si ça va être possible. Aïe! Bah, j'aurais touché au moins une fois. Ouais, ça c'est bien aussi. Attention qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah non, c'est nouveau ça, tiens. Alors qu'est-ce qu'on a là? Non. C'est quoi ça? Un figuier de barbarie. Et on récupère des morceaux de cactus. Comme ça, à main nue. Ok. Et pour le coup... Ah, d'accord. Il n'y a pas de durabilité dessus. Ok. On a des pierres. Et je vais en profiter pour les récupérer. Hein. Alors, moi, ce que je voulais, c'était arriver à monter pour cartographier. Oui, c'est bien. On a une bonne vue là. On a un arbre là-bas. Un arbre là-bas. Ça m'empêchera pas de cartographier quand même. Voilà. Ok. On a du café. Agave. Oh, des termitières. Ça va être chaud, ça. Ananas. Oh, bien, intéressant. Intéressant. Oh, il va faire nuit. On a notre lit sur notre bateau. D'accord, c'est quoi ça? Ok, c'est juste pour récupérer ça. C'est quoi? Ah, attendez, non, dans tas de débris, ok. On va redescendre. C'est quand même dommage qu'on puisse pas couper. Il y a peut-être un passage. On va voir. Aïe. Aïe. Oh, il y a un passage. Mais il pique. Et je suis un peu chargé, mais c'est pas grave. Ce serait bien qu'on se mette sur la plage. Vous savez quoi, hein? Là, c'est parfait. Alors, normalement, je dois avoir ce qu'il faut pour faire un feu. Mais il faut que je fasse des pierres. Ouais, ouais, pour le début, hein, c'est bon. On peut pas. Comment ça, on peut pas? Me dites pas que c'est pas vrai. On peut pas. Là on peut par contre.
Et là on peut pas. Non, on peut pas non plus. Ok, bon, bah écoutez. Non, moi je vais me mettre sous l'arbre, quand même, à l'ombre. Hein, voilà. Voilà. Alors, allumer le feu. Ajouter du combustible. Voilà, allumer le feu. Non, tu veux pas? Bon. Voilà. Alors, tu vas me cuire. Ça. Ça, non. Bah, c'est tout ce que je vais avoir. On va éteindre. On va aller dormir. Ah, c'est bien ça. Un saut de mouton. Un saut de bateau. Ah. Tac, tac. Tout ça. 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 Voilà. Ça, je vais garder par sécurité. Ça, je vais le manger. Ça, ça donne surtout de l'hydratation. On va le manger. Et on va dormir. Ah, on est mouillé, bah oui. Ok. Le jour se lève. Alors... on va aller voir là-bas. On a une sorte de structure. J'ai pas l'impression que ça a été découvert pendant ma cartographie. Ça, je vais prendre. Il me faudrait des cordes aussi. On va faire attention parce que les bestiaux. On va récupérer plein de petits trucs. C'est quoi cette fleur? De la gave. Ah! Laisse-moi tranquille. On a un nouveau plan. Parfait. Qui est quoi? Ça. De l'alcool. Ah bah voilà, on a notre réponse. Ok. Qu'à voir ce que nous apporte l'alcool, si ça se boit ou si ça sert à autre chose. Alors ça, qu'est-ce que ça va être? Ah, oh. Oh non, 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 non. C'est pas moi, c'est pas moi. J'ai rien fait. Ils sont agressifs ou... je sais pas en fait. Est-ce qu'ils sont agressifs ou... ça c'est quoi ça? Un morceau de pyrite. Là on a appris un nouveau truc encore. Ah! Pas mal. Un allume-feu solide. Parfait. Ça, je prends aussi. Ouais, ils sont partis. Ah, d'accord. Je pense qu'ils ont peur du serpent. Ouais, je sais pas s'ils sont agressifs ou pas. Oh, 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 oh. Qui me touche à chaque fois, hein, y a pas. Voilà. Je sais pas s'il vient de faire moi ou pas, c'est particulier.
y a un os. Oh, doucement les pères. Petit père, je veux dire. Tas de débris. Ok. Alors. C'est eux là, ils sont rapides, hein. Quand on les repérer. Non, c'est pas ça. Faudra que j'en récupère des ça, dans ce clair. Il y a quoi là-bas? Il y a quelque chose. Je sais que non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok. Pas monter, il faut une corde. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Oh, il y a quelque chose là-bas. On dirait qu'il y a une structure, il y a des escaliers. On va aller voir. Faire attention. Il y a encore de la gamme. Ah, on est très bien. Ok, parfait. 3. 2. Un animal me pourchasse. Oula. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? C'est pas moi qui l'ai tué, lui, hein. Non, c'est pour être sûr. Bah si, t'es vivant. J'ai pas compris, là. Je faisais le mort, et j'ai dit, tiens. Je vais faire croire que je suis mort, et puis je vais l'attaquer quand il s'y attendra pas. Bah c'est loupé. Alors, allez, on se dirige par là. Il y a encore des grains de café, il y a plein de trucs. C'est cool, hein. Allez, on a encore un lézard là-bas. Et vous savez quoi, je m'entraînerai bien à l'arc. J'ai quasiment jamais utilisé mon arc. Oh. Superbe. Je suis vachement fort à l'arc. À l'arc, hein. Voilà, oh. Ça tait. Ouais, faudrait peut-être que je joue un peu plus à l'arc, hein, parce que j'ai du mal. Mes flèches. Voilà. Écoutez, on va suivre les escaliers, on va bien voir. Ouais, je suis pas fait pour l'arc en fait. On a encore des pierres, on a encore des cactus. Hein, attendez. Qu'est-ce qu'on a là? Ne serait-ce pas un campement? Eh ben si, c'est un campement. Ah bah oui, on peut monter, c'est cool. Eh ben, hop, on va cartographier, ça va être terrible.
Boum! C'est bien ça. Bâton de bambou, bah tiens, justement. Ça, j'aimerais bien en avoir. Tes goûts. Non, je peux pas. Ok. Là, on a de l'eau vive. Ok. Jaguar. Ouf, jaguar, non. Gisement de cuivre. Ok. Ah, le lit de feuilles. Ça doit être ici, le campement. Là, on a quoi? De l'eau vive. Ouais, le jaguar, par contre, lui. Je vous avouerai que. Bah, descend. Bah, pourquoi tu veux pas descendre? Ça me fait peur, ça. Ok, allez, on repart. Donc on a dit que le campement était par là. Ouais, on a du bambou. On va aller voir au niveau du campement. Ah, attendez, j'ai vu autre chose. Nid d'oiseau, il n'y a que ça? Ok, maintenant. Ouais, on fait attention au soleil. Alors, on est déjà niveau 1. Mince. Oh la saleté. Je voulais me mettre à l'ombre pour me protéger du soleil. C'est où? C'est par là? Non, ma température remonte. Mince, je vais me remettre à l'ombre. C'est en train de redescendre. C'était en train de redescendre. On va attendre. C'est légère surchauffe. Ouais. Faut hydrater. Il fait chaud. Hein. En même temps, bon, j'ai mon sac qui est bientôt HS. Comment ça se répare? Ah, avec des battes. Bon, ça, j'en ai trouvé. Ça, ok. Il est bientôt abîmé en plus. Même si c'est pas plus valable d'en refaire un. Donc je suis à l'ombre, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. Et là. Bon, écoutez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà. Là-bas, le campement, il est juste là-bas. Juste trouver comment faire pour y monter. Non, c'est... Quoi ça? Ouais, on a un plan. Ok. Attendez, je vais me mettre à l'ombre pour regarder. Champignon grillé. D'accord. Alors, il faut trouver un moyen pour monter. Saleté, mais je les vois pas à chaque fois. Il y a autre chose qui me... Où ça? Oh, sérieux. Allez, viens. Ils sont terribles, hein. Sérieux. C'est mon couteau qui commence à être HS. Ah voilà, le campement.
contre, je suis un peu trop chargé. Ouais. Ouf. Chaud, hein. Fouiller la tente du capitaine Punchy. Ah. Et après, on va arrêter. Ouais. The storm took the lives of many members of the San Cristobal crew, including the captain. But the ship reached the final destination of the expedition. Instead of the island, the sailors found an impassable chain of rocks and dangerous currents. They called it the Bimini Belt. After unsuccessful attempts to pass the Bimini Belt, the ship was badly damaged and in need of urgent repairs. First Mate Fernan, who had become the new leader, decided to stop near one of the large islands. Fernan organized the construction of a temporary camp there in order to find resources to repair the San Cristobal, as well as to search for other survivors who could be on the islands nearby. A few days later, the survivors arrived themselves. Juan Ponce de Leon was accompanied by sailors from the Santa Maria. Once again, the commander encouraged his comrades in the success of the expedition. During the assembly, Fernan showed pieces of copper ore that had been found on the island. If enough copper could be found, it was possible to repair and strengthen the San Cristobal and continue the expedition. The crew decided to go in search of copper ore deposits. The next morning, Fernan Delgado and Juan Ponce de Leon, as the most experienced explorers, left the camp. Ok, je vais vous laisser lire, hein. Hop, voilà. Ok, alors. Ah. Ok, donc on est au camp et à l'extrémité nord. Il y a une grotte. Bah, je pense que c'est la grotte qu'on a découvert avec le cuivre. Là où il y a le... je sais plus, le guépard, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ok. Il n'y a rien d'autre. J'ai pas l'impression. C'est quoi, non? Voilà. De débris, un établi, hein? Ah, attendez, c'est quoi ça? Une souche. Ok. Non. Ah si, j'ai des os. Tout à fait. Il y a ça que je pourrais me faire aussi. Hein. Ou réparer mon sac peut-être. A voir. A voir. Ok. Des bons clés. Pourquoi pas. Comme ça je récupère des matériaux. Ou est-ce que ça voudrait dire... Ah, on pourrait peut-être prendre ce coin comme comme base, en fait. Juste ici. On est où, là? Ah, attendez. Notre bateau est là. Ah, et ça fait loin, quand même. Hein. Ça peut faire une base, quand même. Ouais, j'avoue. J'avoue. On a un lit pour dormir, on a tout ce qu'il faut pour bricoler,
pour faire un feu. On a des os. Même pas. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ah, attendez, on va le remettre. Hein. C'est où? Ah bon? Ah oui, c'est un établi normal. C'est l'établi amélioré, ok. On va mettre ça là. Non. Voilà. On va dormir. Alors, attendez. On va peut-être manger avant. Non, c'est pas là le lit, c'est là. Voilà. On va rester à l'ombre. Un surchauffe 2. Ah, je peux pas avoir une surchauffe pendant la nuit quand même. Ah, c'est tendu, hein. Bref. Bon, écoutez. On va arrêter l'épisode ici. Hein, déjà un bon petit épisode. On a découvert le camp. On a progressé dans l'histoire. L'île est sympa. On a trouvé plein de choses. Je pense qu'on va faire des allers-retours avec la base principale. Parce que on a plein de choses à emmener. Mais on verra. On verra bien. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou même laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.